Ici et maintenant, je recommande au gouvernement qui sera mis en place dans les prochains jours et les prochaines semaines de transformer en programme effectif d'action la vision et les engagements. Au moment où le peuple congolais attend de connaître la nouvelle équipe gouvernementale, certains Brazzavillois interrogés souhaitent que le président de la République nomme un premier ministre crédible et capable de répondre aux aspirations des populations. Comme tous les Congolais, nous voulons des ministres, un premier ministre très responsable, qui soit à l'écoute de la population, des ministres qui sont des hommes de terrain. Mais nous avons besoin des Congolais qui puissent accompagner le président de la République, qui puissent apporter le changement voulu par le peuple congolais, capable de faire décoller ce pays. Pour l'émergence du pays, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, entend travailler avec des Congolais compétents et courageux pour mettre fin aux vieilles pratiques qui entachent l'administration, voire le fonctionnement de l'État. Je veux un État protecteur qui restaure son autorité et qui réforme son administration. Eh bien, ce courage, soyez-en persuadés, ne nous manquera pas. Cette volonté exprimée par le président réélu a touché le cœur d'un Congolais de la diaspora française qui espère voir de nombreux nouveaux visages au gouvernement. Nous voulons que le président puisse nous nommer un premier ministre qui a l'expérience, mais pas l'expérience par rapport à l'âge, parce que nous voyons que tous les premiers ministres qui sont passés, c'est des anciens camarades du président. Nous voulons que le président puisse nommer quelqu'un qui sort du néant, que les mêmes noms que nous connaissons depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Il reste à Denis Sassou Nguesso de choisir des femmes et hommes ministres dynamiques et capables de mettre en œuvre le projet de société Ensemble poursuivant la marche qui prône l'amélioration du quotidien des Congolais et le développement durable.